Après ce petit tuto, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit pouce vers le haut, à suivre la chaîne et à partager mes vidéos, mes petits lapins, tu vois. Hello? Where are you? You're what? Missing it! Get down here right now! Where are you? We're in the tunnel! You have 5 minutes! Get down here right now! Okay. Hurry up! Bonjour mes petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment avoir la carte GTA 5 en couleur. Donc je vais vous montrer la différence. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si vous n'avez pas modifié votre jeu, votre carte se présente comme ceci, tout en noir et blanc. Bien sûr, vous ne prenez pas en compte les icônes qu'il y a sur la carte, tout dépend du serveur où vous êtes. Ne vous fiez absolument pas du tout. Donc là, vous voyez que ma carte est en noir et blanc. Quand vous agrandissez un petit peu, il n'y a rien qui s'affiche du tout. Donc moi, je vais vous expliquer comment avoir la carte en couleur, ainsi avoir des noms de rue. Coupez le jeu et je vais vous montrer comment installer ceci. Donc maintenant on est sur le bureau, vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo. C'est tout simplement le dossier qui concerne tous les fichiers pour pouvoir mettre votre carte en couleur ainsi que d'avoir les noms des rues. Une fois que c'est téléchargé, normalement ça doit être dans votre dossier de téléchargement ou ailleurs en fonction de votre paramétrage de votre PC. Et ensuite vous allez le placer ce dossier là sur votre bureau. Ensuite vous avez l'icône 5M. Ce que vous allez faire avec, vous allez tout simplement cliquer droit dessus et aller cliquer sur ouvrir l'emplacement du fichier. Ça vous ouvre donc l'emplacement de votre exécutable. Là c'est le raccourci de l'exécutable 5M.exe. Et vous avez un autre dossier représenté par une icône d'un escargot et c'est marqué 5M application data. Vous allez faire un double clic dessus et là vous rentrez dans tous les fichiers et dossiers de votre 5M. Faites bien attention à pas trop bidouiller comme on dit dedans, parce que si vous le touchez trop, votre 5M va planter. Il est déjà assez délicat comme ça, sinon vous serez après obligé de tout retélécharger au cas où. Donc ça c'est ouvert. Je mets ça sur le côté pour faire un peu de place. Ensuite, le dossier que vous venez de télécharger, vous faites un clic droit sur le fichier rare, vous faites extraire vers le nom du dossier. Moi, il s'est mis sur l'autre écran, je m'excuse. Hop. Donc, une fois que je vous refais voir, hein, clic droit, extraire vers GTA 5, et ça vous donne ceci. Vous ouvrez le dossier. Rentrer dans le dossier carte GTA 5 en couleur et là vous avez le nom Citizen. Et là dans votre 5M, faites bien la différence entre les deux dossiers, hein. Là c'est le fichier, enfin le dossier qu'on a téléchargé, et à droite c'est le dossier de 5M. Donc là on va tout simplement modifier le dossier Citizen pour pouvoir avoir la carte en couleur. Le plus simple, c'est tout simplement dans votre dossier que vous venez de télécharger, vous restez cliqué sur Citizen et vous allez tout simplement glisser dans le dossier 5M. Et ensuite, vous lâchez votre clic gauche. Et là, si vous avez déjà des fichiers existants, si vous avez déjà essayé de modifier ou quoi que ce soit, vous faites tout simplement remplacer les fichiers dans la destination. Là, il remplace. Et si jamais il ne vous met rien, c'est que vous n'avez rien du tout. Et là, vous faites vraiment pour une toute première fois. Une fois que c'est fait, refermez toutes vos fenêtres. Et vous relancez votre jeu. Donc, on se retrouve sur GTA 5 avec 5M. Donc, pour voir si ça a bien marché, vous appuyez sur la touche P. Vous avez. Et là, vous avez votre carte qui est en couleur. Et vous avez le nom des rues. Voilà.
J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu. Un petit tuto tout simple. Je sais qu'il y en a d'autres tutos, mais voilà, moi par rapport à ma chaîne, par rapport à mon serveur où je suis, je voulais faire un petit tuto là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin d'un petit coup de main. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À partager ma chaîne et à suivre la chaîne, bien entendu. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.